Avant que la vidéo commence, j'ai une petite info à vous faire passer. Donc si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche grise qu'il y a juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, vous recevrez un message dès que je sortirai une vidéo. Et donc voilà, bon visionnage. Tous les personnages ont été complétés dans la dernière vidéo. Nous avons eu tous les objets. Aujourd'hui, nous sommes le 24. Coucou tout le monde, c'est Pierre-Mobie, tout est film. Aujourd'hui, on se retrouve pour nouvelle vidéo. Nous sommes le 24, nous allons ouvrir le 24e jour. Je sais ce qu'il y a et c'est pour ça que je suis vraiment très content. Donc, ça s'ouvre par où? Ça s'ouvre par là. Ah, c'est une double porte. Oh, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Aïe! Ne t'en va pas, s'il te plaît. Je suis en train d'ouvrir toutes les autres cases. Oh, si j'arrive. Ah, non, je ne veux pas l'allumer. Nous allons ouvrir ça. Allez, et c'est parti. Je sais ce qu'il y a dedans, c'est ça qui m'excite trop. Et voilà, nous avons le sapin de Noël. Il est juste magnifique. Donc, il est à monter. Et un truc super de ce sapin, c'est qu'il est lumineux. Donc, il faut mettre 2 piles, je crois. Oui, c'est ça, 2 piles LR03A. Donc voilà, nous avons le socle avec le bouton. Donc je vais mettre les piles après avoir monté le sapin. Donc ici nous avons, que j'ai déjà ouvert, les petits boutons. Pardon, j'arrive plus à parler. Nous avons les petites boules de Noël avec des petits nœuds. Hop. Et on va venir monter le sapin. Est-ce que... Ah, non. Hein. Je crois que je vais devoir regarder la notice qui est encore là. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, je vois. Donc les boules, en fait, se mettent ici, dessous. Hop. Et les nœuds se mettent dessus. Donc je vais monter un peu tout ça. Je viens de découvrir qu'il fallait pas tout mettre là-haut, donc parce qu'il faut en mettre dessous aussi, et donc faut en enlever quelques-unes en haut pour mettre en bas, et voilà, hop, comme ça, histoire que ça fait même plus sympa comme ça. Voilà, j'ai mis les boules de Noël, il m'en reste une. Voilà à quoi ressemble notre sapin pour l'instant. Maintenant je vais mettre les petits nœuds. Donc voilà, j'ai mis tous les petits nœuds et les boules. Donc ça fait vraiment super sympa. Il nous reste la baguette magique. Donc l'étoile, on va hop la mettre. Je vais fixer le sapin sur le socle. Hop, le socle est vraiment magnifique aussi. Donc c'est une table en fait, avec une nappe, avec des flocons dorés. Donc, vous voyez, ça brille vraiment. Et des jolis petits flocons roses. Donc, vraiment, c'est magnifique. Et maintenant, on va mettre les piles à l'intérieur. Donc voilà, je viens de mettre les piles. J'ai déjà allumé, oui, parce que la tentation était trop forte. Donc, je sais pas. Non, je vais pas éteindre la lumière directe, parce que ça va vraiment trop sombre. Donc, voilà ce que ça donne avec la lumière. Voilà. En fait, c'est vraiment ça qui sont allumés. Je sais pas si l'étoile est censée s'allumer. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, je vais essayer d'éteindre la lumière. C'est vraiment super sympa parce que quand même ça éclaire. Hein. Bon après ça fait pas une lampe torche, mais c'est vraiment très sympa, j'adore. On voit bien la forme du petit sapin et la petite nappe. Et donc voilà pour le calendrier, nous avons enfin fini, enfin presque fini. La dernière vidéo sortira demain. Donc c'est la vidéo de la construction du décor, parce que vous voyez qu'il y a un petit décor. Bon, il est juste là en fait, à côté de moi. Il y a un petit décor et donc c'est super sympa. On va pouvoir le construire. Nous allons le construire demain. Et donc, on se dit à demain pour la construction des décors.